Hey! Hoyo Minasan, c'est Kensho! Et aujourd'hui, on se retrouve sur du Fallout 4. Et ouais, je m'avais arrêté ici, on va dire. Donc voilà. Ça m'a l'air un trou là, non? Bon, je sais qu'il faut que j'y aille pas loin, mais j'ai envie de visiter. Il doit y avoir des choses. Il doit y avoir des choses ici pas très cool. Ok, gars. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un fucking. Une fucking ghoul carbonisée. What? Ah la pute. Ok. Elle a cassé mon. Oh, ça va, y a un truc pour réparer, mais bon, je crois pas que j'ai ce qu'il faut sur moi. Ok. Ouvrir la facture. Est-ce que... Ok, j'avais pas vraiment de quoi pour réparer, fuck. Bon bah ça attendra hein, parce que j'ai plein de trucs à réparer sur mon truc, mais j'ai pas ce qu'il faut. Donc on va faire 100 hein. On va dire ma jambe droite, jambe gauche ou jambe droite parce que j'arrive pas à savoir, bref. Et un petit peu cassé. Mais bon. Apparemment, il y a le toit qui est ouvert. Si j'ai compris. Toit ouvert. Ok. Et le toit ouvert de quoi? Ah, ça! Ok. Cool. Oh oh, j'ai deux jambes, ok. Mange ça! Saleté! Non, je ne passe pas. Ouais, en fait, il y a que dalle en fait. Chippé. Ok, on va juste le regarder. Je vais faire vite fait une ellipse, je vais retourner à ma base pour réparer mon armure parce que là franchement ça me ferait chier qu'elle casse. C'est ça là, l'endroit je crois. Voilà, j'ai trouvé le machin.
Là, il y en a là. Ok, on fait ça. Ok, voilà. J'ai fait mon petit ellipse, voilà. Je suis parti vite fait, hop. Enfin, vite fait entre guillemets. Donc voilà, bon allez, c'est parti. Allons-y. Allons chercher ces ogives nucléaires qui font très très mal. J'espère qu'il fait encore nuit. Ouais, je vais pas sauter de là. Ok, là y a rien à faire. Ok. Et je cure, et je cure. La 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 la. Lumière. Ok. Oh yes! Parfait. Ça, c'est parfait, ça. Augmente la résistance aux radiations de 5 points. Là, je prends bien. Je prends bien. Putain, ça fait longtemps, livre, bordel. Ça fait un bail. Oh. Ça, c'est trop fun. Ok, ça se peut pas pour sortir quelqu'un. Shit normal. Ok. 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 J'adore mon robot, il gave loin. En mode voilà quoi. Ok. Ça pue un peu les ghouls, non? Enfin, du moins j'ai entendu un truc qui ressemble à une ghoul. Donc je pense qu'il doit y avoir des ghouls quelque part. Rester fermé. Ça n'aide pas trop ça. Tout est physique. On va pas rentrer. Ouais. Voilà. Allez, c'est ouvert.
et ce lancement de machin chouette là de fusil nucléaire. Donc là ça a été ouvert, ok d'accord. J'ai pas vraiment besoin, c'est pas vraiment, il faut de sang, il faut pas remonter. Faut descendre je crois, non? Faut toujours descendre. Ouais. Ça c'est fait. Bon, ben plus qu'à rentrer dans la fosse au lion, hein. C'est seul, hein. Mais d'où elle sort elle? Mais oh! Putain, j'en ai marre qu'il passe des trucs de merde là, c'est bon là. Merde, pourquoi j'ai pris la. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Le mec c'est. Salique. Peut-être faire attention à mon taux de radio. De radiation, parce que là je remarquais qu'il était assez élevé. Ouais, on va se prendre un coup hein, de anti-rad hein, parce que là oh merde ouais, je suis trop bon, je suis assez vite con. Voilà. Putain, mais il y en a combien? Non, mais. Des brosses à cheveux, mais what? C'est pas autre chose, franchement. Pas de conserve. Oh my god! Mais d'où tu sors, toi, saloperie? Toi, tu prendras pas de perso pour ça. Malgré que tu t'étais rien du tout. Mais bon. Toi t'es intéressant toi. Des capsules, du scotch. Toi tu voles. Un couteau en plastique. Ouais. Je vais trouver là où il dormait. C'est bon. Une bière, je m'en fous un peu. Quoi? Un cadavre? C'est un truc de l'atome ça.
Merci. Où tu sors comme ça, toi? Et toi aussi. Qu'est-ce que fait les enfants d'atomes ici, bordel? Bon, en même temps, c'est vraiment un endroit pour eux, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a des hautes radiations, mais bon. Je crois qu'il faut passer par là. C'était là. Ok, voilà, top. Boîte de conserve. Elle avait faim, la ratop, pour faire ça, quoi. Bon, elle avait peut-être des dents avec, mais voilà, quoi. C'est illogique. Non, toi t'es mort, toi là. Couché. Ok, bon, c'était pas par là. Bon, je fais le nettoyage. Putain de robot. Putain, je me dis, qu'est-ce qui se passe devant ma gueule là? Cette bestiole me fera pas chier, ça monte tout jusqu'à là-bas, toi. Ok. Parce que je crois que c'est pour sortir à tous les coups. What? C'est qui lui? C'est qui ce cucus? Moi, les enfants de la tombe, j'en fais de la bouillie, donc je vais quand même lui parler. Indiquez le but de votre venue ici. Vous foulez les terres sacrées d'Atom. Je cherche des bombes. Des bombes nucléaires. Vous dévalorisez ce qui réside ici. Cet endroit est sacré. Les enfants d'Atom ont juré de protéger cet endroit jusqu'à l'heure de la grande fragmentation. Personne ne doit entrer. Allez. Ah, c'est salade. Dites-moi où sont les bombes, et vite. Votre colère ne vous rapprochera ni d'Atom, ni de ses saintes œuvres. Vous allez quitter ces lieux immédiatement. Où vous subirez le courroux d'Atom.
gourou d'Atome ? Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ? Il est le grand égalisateur, le défenseur de la parole d'Atome. Maintenant, quittez ce lieu ou je l'invoquerai à vos dépens. Bon, j'ai pas que ça à faire. Dites-moi où vous entreposez ces foutues bombes. Comment osez-vous ? Votre temps, ce monde est révolu. Abandonnez tout espoir face au gourou d'Atome. Ouais, ta gueule. Quoi, c'est ça son courroux d'Atome? Ça explose toujours ce machin. Voilà. Pas cette fois-ci, ça va pas exploser? Ok. Levy, 132e corps des ingénieurs au site de surveillance Prescott. Toutes les lignes de communication ont été coupées et nous suivons de multiples signaux radars en approche. Génial. C'est un exercice. Il nous en faut la confirmation immédiatement. On a des choses là-dedans. Ce joli arsenal. Bon, la rade monte assez graduellement, assez rapidement. Je vais pas trop m'éterniser dans cet endroit. Mais voilà, ma mission est finie. Pratique ce truc. Ok, ça c'est fait.
Ok, là on est sorti de ce machin. On est où en fait? Ok, on est là. Bon, ben, je vais là-bas. Je parle à la dame et ce sera la fin de l'épisode, je pense. Donc c'est parti, allons à l'aéroport. Hop hop, là-bas. Ok, bon, on est au camp. Okay. Connétable. Ces marques 28 devraient faire l'affaire. Belle trouvaille. Je vais travailler avec votre équipe pour m'assurer que les bombes de Prime restent stables une fois qu'elles auront été chargées. Ça ne devrait pas poser de problème. Docteur Lee, je dois bien admettre qu'on n'aurait rien pu faire sans vous. Il est un peu tôt pour fêter ça, Connétable Ingram. Liberty Prime n'est pas encore totalement opérationnel. Et j'espère que tout le travail effectué pour conserver la stabilité de ces systèmes va tenir. Vous êtes sûr que c'est sans danger? Bien sûr. J'ai vérifié personnellement chaque connexion et chaque circuit. Prime tiendra le coup. Connétable? Tous les voyants sont au vert. Je crois qu'il est temps que vous enclenchiez la dérivation d'énergie. En fait, je crois que je vais vous laisser appuyer sur le bouton. Après tout, sans votre aide, notre ami serait encore en pièces détachées. Il vaudrait mieux laisser cette tâche à un technicien expert, bien sûr. Mais je pense qu'elle vous revient de droit. Activons l'état! Allez, robot! Liberty Prime, activé! Activation! Putain, ça fait plaisir de le revoir bouger, ce robot. Commande de diagnostic acceptée. Il a un peu de temps, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle configuration. Module vocal activé. Test de fonctionnalité auditive initialisé. Identification. Liberty Prime Mark 2. Mission. Libération d'Anchorage, Alaska. Cible principale. Tous les envahisseurs chinois communistes. Analyse système complète de Liberty Prime. Tous les systèmes normaux, armes activées. Attention, chargeur d'armes nucléaires vide. Chargement nécessaire. Attention, réacteur désactivé. Fonctionnement sur alimentation externe uniquement. Redémarrage du réacteur recommandé. Chance de repousser les envahisseurs chinois communistes. Compromise. Tout va pour le mieux. Docteur, vous pourriez... Notre ami, je vous remercie. Je dois bien admettre que je n'étais pas certaine qu'on arriverait à le faire marcher, mais tout a l'air bon. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de son réacteur? Prime est en pleine forme, mais il faut redémarrer son moteur nucléaire. Pour l'instant, il fonctionne sur les moteurs du Prilwen. Quand je me serai occupé de ça, on pourra l'envoyer défoncer les portes de l'Institut. Avant que vous ne partiez pour votre prochaine mission, j'ai quelque chose à vous donner. Je vous ai fabriqué ce petit bijou. Il devrait donner un peu de punch à votre armure assistée. Une pompe médicale. Ok. Vous croyez que ça me servira pour ma prochaine mission? Aucune idée, mais ça ne mange pas de pain. Bon, allez. Vous feriez mieux de retourner sur le Prilwen. L'aîné Maxon a dit qu'il voulait vous parler dès que vous en aurez terminé ici. Merci, chevalier. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Ok, bon. On va dire, la mission Prime est finie, voilà. Bon. Bon, ben, à plus tard pour continuer mon let's play sur Fallout 4. C'était Guincho. Bye bye.